Salut. Tiens, salut Nino. Salut Nino. Ça fait drôle de te voir là. Comment vont les affaires? Pas mal, pas mal. Alors tu viens te retremper dans l'ambiance? Ça se pourrait. Ah oui? T'as trouvé une place de soigneur? En porte-soigneur. Bon, tu veux pas me dire que t'es passé entraîneur quand même? Ah, parce que selon toi, j'en suis pas capable. Non, non, j'ai pas dit ça. Seulement t'es un peu jeune et puis tu fréquentes plus beaucoup les salles. Eh ben justement, on va lui voir plus souvent dans les salles ces temps-ci. Ah. Écoutez un peu ça, les gars. Monsieur Nino Cerretti, ici présent, remonte sur le ring. Exclusif. Oh non, c'est pas vrai, dis donc. Tu pourras toujours t'entraîner avec Pépère, là. Il te donnera un coup de main, hein. Dis donc, Nino, qu'est-ce qu'on te mettra dans la bouteille? Du schnapps? Dis donc, hein, ici, il y en a plus d'un que je pourrais sonner en une seule reprise, hein. Bande de cons, hein. Ouais, les gars, Cerretti repasse en entraînement tout de suite, là. Alors passez-lui une culotte. Tu devrais t'en aller, Cerretti. Ben, ils sont bourrés, tu vois pas? Ils vont jamais te lâcher. Allez, je te paye ton verre, Phil. Bonsoir, monsieur Moroni. Va te coucher, Cerretti. Et sois demain dans mon bureau à midi. Précise, hein? Compris? Bien, monsieur Moroni. Monsieur Moroni. Vous avez dit midi. C'est bien, monsieur Moroni, mais c'est loin, et puis avec les embouteillages. Hein. T'es pas rentré de la nuit, Cerretti. Tu t'es saoulé jusqu'à quelle heure? Tu m'as fait de la peine hier soir. Quel âge as-tu, Nino? Moi, je le connais, ton âge, et pour cause. T'as 30 ans. Et regarde-moi dans quel état tu es. Ah, il est beau, l'ex-futur champion d'Europe des Super Walter. Écoute-moi. Je me fiche de savoir si tu veux en venir ou pas. Ça me regarde pas. J'y crois pas, mais ça me regarde pas. Il se trouve que tu peux me rendre un service, c'est tout. Quel service, monsieur Moroni? Eh bien, voilà. J'ai en ce moment ici un jeune gars qui s'annonce bien. Et même très bien. J'ai pensé qu'il lui faudrait un sparring partner pas comme les autres. Quelqu'un qui connaisse vraiment les ficelles. Ouais. Tous les gars que j'ai ici n'ont rien à lui apprendre. Mais toi, t'as le métier, et lui, c'est une vraie bête. T'encaissera, et il apprendra peut-être quelque chose de toi. À moins que t'aies déjà tout oublié. De toute façon, si t'as l'intention de reprendre, je pense qu'il aurait vite fait de te dérouiller. Alors, si je comprends bien, vous m'envoyez à l'abattoir, quoi. Tu peux un boucher, idiot. Je sais ce que je fais. Maintenant, c'est à prendre ou à laisser, hein. Tu t'imagines tout de même pas que je vais te faire boxer pour tes gros yeux. Bon, ben, je prends. Je commence quand? Tout de suite, il est là, il t'attend. Non, mais, monsieur Moroni, vous êtes fou. J'ai dormi 3 heures, je sors du lit. Puis d'ailleurs, j'ai pas mes affaires. Et alors? Tu crois que tu seras mieux ce soir ou demain? Au moins là, t'es à jeun. Allez, va, on te prêtera ce qu'il faut. 70 francs par séance d'une heure, tu diras pas que je t'étrangle, j'espère. Alors tu m'as bien compris, Roger. Ne le ménage pas. Aujourd'hui, c'est plutôt pour lui que pour toi. Je voudrais savoir s'il nous reste encore quelque chose dans le ventre et si on peut le garder. Si oui, tu n'auras pas à t'en plaindre. C'était quelqu'un de Cerretti il y a 5-6 ans. C'est lui qui picole? Entre autres, oui.
Quelque chose me dit qu'il voit beaucoup moins qu'il veut bien en avoir l'air. Comment ça? Il y a des gars comme ça. Comme ils ont honte d'avoir raccroché, alors ils font croire qu'ils passent leur temps ivre-mort et chez les femmes. Manière de dire, vous voyez bien que c'était pas mon truc, la boxe. Maintenant, j'ai trouvé mon truc, c'est l'alcool. Ils n'en pensent pas un mot. Et moi non plus. Et à le v'là. Ben voilà, Nino Cerretti, Roger Gonacaire. Bonjour. Maintenant, vous allez me faire 3 minutes en souplesse. Tout en souplesse, hein? C'est pour faire connaissance, pas pour vous étriper. Allez! Reposez-vous. Même chose dans un quart d'heure.